chanter. Tout part du piano solo, même le big band, ça part du piano. Alors, cette année, je suis très honorée de revenir en piano solo parce que, aussi, c'est une première pour d'autres festivals et d'autres concerts dans l'année qui vont être donnés en piano solo. Je suis très, très honorée de le faire, la première au Festival de jazz à Montréal. C'est quelque chose de spécial, le piano solo, parce que c'est le retour aux sources. Hein. C'est une façon complètement totale de s'exprimer. Alors, il va y avoir des compositions, il va y avoir des choses complètement improvisées. Il va y avoir des choses spontanées et beaucoup de surprises. Alors, on peut vraiment se permettre ça en piano solo parce qu'on est piano solo. Alors, toute cette latitude-là, et puis un côté très intimiste aussi. Alors, c'est un petit peu un espèce de changement très éclatant avec le big band, de retourner à un petit côté plus intérieur, plus intime, et retourner sur mon instrument de base, en fin de compte. J'ai déjà joué la salle acoustique, la salle du Bon Pasteur. J'ai joué là en trio. J'ai joué là avec un ensemble de vent et trio. Je crois que je l'ai déjà fait en piano solo, ça doit faire très longtemps. Mais il y a quelque chose là aussi. C'est une espèce de... C'est un lieu très intime, c'est petit. Et puis je pense que les gens qui vont là s'attendent à recevoir une espèce d'intimité comme ça. Puis c'est un lieu très... C'est un petit peu secret, je trouve. Ça va être bien, je suis contente de ça. C'est plus vivant que jamais, le piano jazz. Je regarde des jeunes, moi j'ai des étudiants, puis il y a une effervescence, ils en mangent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années 2000, on voit un côté très éclectique. On voit des influences qui viennent d'un petit peu partout, et puis c'est lancé là-dedans. Alors, on a le piano jazz, puis tout à coup, on a ça, on a le world ici, on a une autre influence de là. C'est intéressant d'avoir le cheminement de ça, c'est en forme plus que jamais.